Si vous êtes musulman et que quelqu'un que vous connaissez fait ces 5 blagues complètement haram en islam, alors partagez cette vidéo avec lui. C'est votre devoir de les sauver du feu de l'enfer. Je suis sûr que les 3 premières blagues concernent beaucoup d'entre vous. Alors écoutez et partagez avec vos amis et vos proches pour leur faire savoir que c'est complètement haram. Alors partagez-les et vous obtiendrez de bonnes actions. Partagez pour l'amour d'Allah. Numéro 1. Les blagues sur la couleur de la peau. Plaisanter sur la couleur de la peau de quelqu'un. Dire des choses comme « tu es vraiment brune, noire » ou etc. « personne ne t'épousera » est complètement haram. Cela se moque de la création d'Allah, même les prophètes avaient des couleurs de peau diverses. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui fait cette blague, alors partagez-lui cette vidéo. Peut-être qu'à cause de votre partage, il arrêtera de faire ces blagues. 2. Blague laide. Ridiculiser l'apparence de quelqu'un est haram, car Allah l'interdit dans le Coran. 3. Blague sur les gens petits de taille. Se moquer de la taille de quelqu'un. Voudrait dire que vous vous moquez de la création de Allah, donc arrêtez de telles blagues. 4. Blagues contre l'islam ou les messagers. Dire « Allahu Akbar » pour s'amuser en public est haram. Respectez les expressions religieuses. Numéro 5. Les blagues qui accusent d'une personne pure d'impudicité. Par exemple, juger les gens. Ou par exemple, dire que telle fille ou telle personne sort avec tel type. Elle fait ceci avec tel type. Ou elle fume ou fait ceci ou cela. Et que dans la réalité, ce n'est pas vrai. C'est complètement haram. Accuser quelqu'un pour quelque chose et ensuite dire que je plaisantais, c'est haram. Maintenant, je veux que vous partagiez beaucoup cette vidéo afin que les gens qui font ce genre de blagues regardent cette vidéo et s'arrêtent et vous obtiendrez les récompenses, des bonnes actions pour votre partage. Alors, partagez-la simplement pour l'amour d'Allah pour aider les autres. Je prie pour qu'Allah nous guide sur le bon chemin et nous pardonne, dit Amine dans les commentaires.